un des grands temps forts du partenariat entre l'Estac et Trois-Champagne Métropole. Et puis surtout très content d'être ici à Luzini parce que c'est une des communes qui a rejoint l'agglomération en 2017, au 1er janvier 2017. Et de faire cette édition ici, c'est tout un symbole aussi. Et puis surtout le point d'orgue avec la finale qui aura lieu le 16 mai prochain, où là en effet Trois-Champagne Métropole aura le grand plaisir d'accueillir les finalistes sur la pelouse d'honneur du Stade de l'Aube. C'est toujours un événement de très belle importance. Bah, on doit faire des ateliers, on essaye de les gagner pour aller à la finale au Stade de l'Aube, à la grande finale. Et je devais dégommer un plot, puis je suis arrivée deuxième. C'est marrant et puis bah ça nous apprend des choses comme apprendre à jongler, faire des passes. Tu joues, t'as plein d'équipes, tu les affrontes et puis après tu sais pas si en match tu vas les affronter. Là à chaque fois on affronte une équipe et bah du coup on aime bien ça. Et surtout gagner, on aime bien. T'es prêt? À gauche. Bah c'est bien parce que il y a beaucoup de jeux et c'est bien. Bah en fait fallait tourner entre le cerceau, après fallait faire des pas chassés tout autour, après fallait sauter, fallait faire un code, enfin comme un code, et voilà, c'était très bien. Pour moi, c'était bien. Parce qu'on rigolait et tout, c'était très bien. Fallait réfléchir pour faire des codes des couleurs, enlever les bons plots, et c'était bien. Enfin, c'est bien. Bah, moi, je trouve ça super pour les jeunes. Ça, c'est le premier point. Après, ce que j'apprécie, ben, on est heureux de recevoir les Estac et on les accueille toujours avec un grand plaisir. Et puis, c'est surtout pour nos jeunes qui s'éclatent sur les terrains. Voilà. Premier but, il est là. Je trouve ça très bien. Je veux dire, c'est le club phare du département, donc il montre une certaine considération pour les clubs du département. Donc, c'est super. Je ne sais pas si ça se fait dans les autres départements. Enfin, toujours est-il que les Estac le fait, donc on est content pour ça. Avec les mains, je suis pas très habile, mais ouais, c'est vrai que là, foot. Ça a l'air d'être sympa pour eux, ils ont l'air de bien s'amuser. Et puis, bon, moi, j'aurais plus préféré jouer et sauter dedans que jouer avec les ballons. Mais bon, ouais, ça a l'air d'être cool. Ça fait toujours plaisir. Je pense qu'eux, ils sont toujours contents de nous voir et puis prendre des photos, c'est agréable. Ça fait toujours plaisir de donner le sourire un peu aux enfants en venant, en participant avec eux et signer les autographes parce que nous quand on était petits on aimait aller voir les professionnels et on était super contents. Le soir, tu dormais pas de la semaine quand tu savais que tu allais voir, donc voilà, c'est toujours plaisant. C'est bien, ça se voit que ça leur fait plaisir et bon nous aussi parce que bah, il y a quelques années on était à leur place et donc ça voilà c'est bien de venir les voir. C'est sympa, c'est pédagogique, c'est bien, on voit qu'ils s'amusent, donc c'est l'essentiel. La GSA, je vous...